Hey, salut à tous, c'est Benji et aujourd'hui on se retrouve pour une petite randonnée. Alors, comme vous le voyez, je suis pas mal chargé. En fait, je teste mon matériel avant de partir en bivouac le mois prochain, je pense. Donc, comme j'ai pas trop l'habitude de marcher avec un sac à dos et tout, je me suis dit, allez hop, on embarque tout. Je suis équipé pour 3 jours là-dedans, alors que je pars juste une journée. Donc, sur ce, je pars pas tout seul, je pars avec mon chien. Et je vous laisse avec ces quelques petites images. Allez, à tout de suite. Cette randonnée a pour but de tester mes capacités physiques, mais aussi mes capacités à réaliser des vidéos. Je suis bien conscient que ce ne sera pas parfait, mais bon, il faut un début à tout. Pour vous expliquer un peu mon parcours, je quitte Givonne par les plateaux, au-dessus en fait, pour rejoindre Illy en faisant un petit détour sur les plateaux évidemment. Ensuite, d'Illy, je repars vers la chapelle, par le Lazaret. Du Lazaret, je rattrape les pistes de ski. Et puis, je pense qu'on va essayer d'allumer un feu là-bas dans mon réchaud portatif. Alors c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, que je n'ai jamais utilisé. J'espère savoir bien me débrouiller. Mais ça on n'y est pas encore, faudra attendre midi. Et après on descendra tranquillement, c'est un petit entraînement pour le futur bivouac. Alors ça commence bien, je commence déjà à me perdre alors que je viens de démarrer. Donc en fait, j'ai pris la route qui menait à la ferme là. Et en fait, je dois aller à l'usine, je sais pas si on la voit, qui est là-bas. Je sais pas si on la voit bien à la caméra. Enfin bref. Je pourrais couper par le village évidemment, mais j'ai préféré reprendre le chemin de terre en arrière et de reprendre la bonne route. Enfin bref, c'est pas grave. On est là pour marcher, pour s'entraîner, donc toute erreur est permise.
Bon, bah là on arrive aux pistes de ski, là, ça tombe bien parce que je vais pouvoir tester mon petit réchaud car il y a le chalet de mon oncle juste à côté. Du coup je vais aller me mettre là-bas pour le tester pour la première fois parce que je m'en suis jamais servi, alors ça c'est pas encore gagné. Donc on arrive vraiment au chemin goudronné des pistes de ski. Ça c'est vraiment bien. On arrive à la bonne heure. Ah bah c'est parfait tout ça. On va bientôt manger. Et bien voilà, on est arrivé au chalet de mon oncle. Donc il y a un petit étang et tout, on va se poser, on va. Et puis je vais démarrer le petit réchaud. Enfin, je vais essayer de le démarrer. Allez, bon appétit. J'ai vu ça à la télé. Bon bah voilà, j'ai pas réussi à démarrer mon réchaud. Tant pis. Il y en a qui vont se moquer. On ne se moque pas. J'ai pas réussi à allumer le feu en fait. Est-ce que c'est dû au vent? Est-ce que c'est moi qui m'y prends mal? Peut-être un peu des deux. Puis j'ai oublié les allume-feu du coup. C'était le bordel. Bon bah, je vais boire un coup puis on va repartir. C'est quand même magnifique. Sur la route, j'ai rencontré ma mère qui promenait son chien. Elle m'indiqua une cascade et un étang situé un peu plus loin. J'ai donc décidé de continuer ma route avec elle. Et c'est sur ces dernières images que nous nous laissons. Au total, je pense avoir parcouru près de 30 km.